He's been called a pop artist and a high-concept graffiti artist. But how does he describe his own work? This is art for me. This is what I love, you know? Like, this is what I want to give, you know? It's not about having a piece of canvas, and I just love it. I mean, it's something that I'm never going to stop. Thierry. Il commence. Ouais. Il sait pas ce qui va lui arriver ce soir. Ah, il croit comme ça. Il a chopé quelqu'un de Los Angeles. Tu arrives de Los Angeles, là, c'est ça? Ouais. Je viens d'arriver il y a une demi-heure. Il y a le retour en France. Ce soir, on va raconter ton parcours, expliquer aux gens qui t'es. On va retourner là où t'as grandi à Sarcelles. Mais avant, je voulais te faire manger un couscous pour bien t'expliquer ce que c'était la France. Ah ben, je suis avec toi. Allez. Allez. Bonsoir, ça va? Ça va bien? This guy was Terry Goetta, a Frenchman who had been living in Los Angeles since emigrating to the United States in the early 1980s. But there was one very unusual thing about Terry. He never went anywhere without a video camera. T'as commencé en filmant tout. Tout ce que tu voyais. Ah, c'est pour c'était ça. Les réseaux sociaux avant l'heure. Aujourd'hui, tout le monde prend tout en photo, tout le monde raconte tout. Toi, t'avais toujours ta caméra. Ah, toujours. Mais toujours pas une caméra, trois caméras. Ça veut dire que si on était là, j'aurais la caméra pour te filmer, j'aurais la caméra sur un pied et la caméra sur un autre. When I pick up the camera, I couldn't do anything without capturing. I keep filming. C'était une maladie. Ce qui t'a fait arrêter de filmer tout? C'est que je suis passé à autre chose. Ça veut dire quand, en 2008, quand j'ai commencé à passer à faire de l'art. So I said, why don't you go and put up some more of your posters and make some art? You know, have a little show. Invite a few people, get some bottles of wine. And off he went back to Los Angeles and he left me with the tapes. En prenant la caméra et en me donnant de la peinture et tout ça, j'ai pris la passion, elle est partie d'un autre côté. Street art is being showcased in a new exhibit opening in West Hollywood. Yeah, it's the brainchild of Mr. Brainwash, whose works were profiled in an Oscar-nominated documentary. C'est quoi pour toi la bonne bouffe française? Je sais pas, moi j'ai un petit peu perdu. Je suis un petit peu perdu. Parce qu'on essaye de continuer de manger sainement. C'est un sandwich en fait. D'accord. Ça veut dire c'est la baguette, c'est le pain. C'est le côté croustillant qu'il y a nulle part de. Enfin, et la kémia? La kémia. Un couscous, un steak frites, un steak au poivre, j'adore. Tu sais ce que je te propose? Quoi? Voilà les merguez. On passe aux merguez et on se retrouve après. Pas de problème. L'histoire, c'est que tu te retrouves à filmer tous les street artistes, à commencer par Space Invader qui est ton cousin. My cousin, at that time, he was artistic, you know. He was putting mosaic together and trying to do the game of Space Invaders. Ensuite, tu rencontres Banksy. Sound check, please. 1, 2, 1, 2. Comme j'ai perdu ma mère quand j'avais 10 ans, j'ai perdu mon père quand j'en avais 20 ou 18 ans. Alors je me suis attaché à l'amour, d'essayer d'aimer. Ça veut dire qu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, j'étais dans les voitures, je disais à mes amis, occupe-toi de ta mère, ton père, quand t'as de l'argent, donne-leur à eux. Tu vois, j'avais déjà grandi, je pensais autrement, parce que j'avais un manque de quelque chose, alors j'essayais d'apporter. Most artists spend years perfecting their craft, finding their style, and Terry seemed to miss out on all those bits. I mean, there's no one quite like Terry, really, even if his art does look quite a lot like everyone else's. Alors, c'est comme on dit, il y a toujours des étoiles qui arrivent. Il y a des gens qui te jugent et qui disent, tu sais, celui-là, nous, on est mieux, on n'est plus underground, tu comprends, que nous, on a compris une chose, nous, on fait les choses carrées. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? What I create, it's like
to trying to do some lines that when you're close to it, when you're really close to it, you just see lines. Any kind of people, they come to the market and what they see, barcode. They come to the thing. So they live with it. They brainwash. That's why I call myself Mr. Brainwash. J'ai comme une bagarre de la vie. Je veux donner. Je veux aimer. Je veux dire aux gens que c'est possible. Y a pas, tu crois que toi, t'es parce que t'as pas été à l'école ou parce que t'as pas d'argent ou parce qu'il y a quelque chose qui va te faire que tu vas pas réussir. C'est pas vrai. Tu vas réussir si tu veux réussir. Il y a qu'une seule chose, c'est que tu dois le travailler. Tu dois le faire. C'est une passion. C'est quelque chose que tu dois te lever le matin et y croire. Et quand tu y crois, tu commences à faire croire aux gens. Ça, c'est des paroles d'Américains ou de mecs de Garges-lès-Gonesse? Ben, quelque part, c'est des deux. Je suis autant un Français que autant un Américain. Parce que j'ai vécu quand même 33 ans en Amérique, j'ai vécu 15 ans en France. Je te propose d'aller faire un tour il y a 33 ans. Allez, on va faire un petit tour à Garges-lès-Gonesse. Mon premier métier de gagner de l'argent, c'est j'allais à Paris. J'achetais des t-shirts américains et des trucs et je les ramenais en banlieue. D'accord. Tu vois, tout de suite, parce que je voulais gagner de l'argent, en fin de compte, pour faire kiffer les gens. C'était quoi les pièces qui cartonnaient à l'époque? Je sais pas, c'était des t-shirts avec des numéros, des blousons avec des trucs américains dessus. Starter, les trucs comme ça? Ouais, c'était... On parle ça dans les années 75. Là, tu racontes tes histoires d'enfance, mais même si t'as de la barbe et des cheveux blancs, t'as quand même une tête d'enfant. Mais je suis un enfant. Mon T'as cœur... conscience de ça que t'as une tête de gamin? Mon cœur est un enfant. Je reste enfant. He especially wants children to see his artwork so that they know art is whatever they want it to be and that they don't have to stay within the lines. Parce que être enfant, quelque part, c'est d'être pur encore de la vie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il arrive un moment où on a envie d'être sérieux. D'être businessman, d'être intelligent. Il n'y a pas de définition d'intelligence. L'intelligence, c'est d'essayer de vivre sans détruire. Mais en fin de compte, la vie, pour moi, chaque jour est une vie. Parce que je sais qu'est-ce que c'est d'avoir des gens que tu aimes qui disparaissent du jour au lendemain. On vient avec rien, on repart avec rien, et on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Toi, tu veux aider les gens à vivre? Moi, je veux te dire, vis, bois, mange, éclate-toi. Vis aujourd'hui, mange aujourd'hui. Dis aux gens que tu l'aimes aujourd'hui. Mais des fois, il faut savoir se mentir à soi-même pour essayer d'apporter de l'amour. Pour dire « je t'aime », pour dire « t'es quelqu'un de bien », pour dire « t'es un diamant ». T'es un diamant. Pour dire même les gens qui font du mal, t'es un diamant, parce que c'est un diamant. C'est quelqu'un qui est sorti, sa mère, elle l'a aimé, mais peut-être pourquoi il devient un animal, quelqu'un de méchant, parce que tout le monde dit « t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant ». Arrête, tu me rends ouf. Et à allez, la fin, on va à Garges. Il me rend ouf. Et à la fin, si je te le dis souvent, t'es méchant. À la fin, tu deviens méchant. Alors moi, je veux dire, t'es gentil, t'es beau, t'es un diamant, t'es ce qui va changer le monde aujourd'hui, tous. On peut tous changer le monde et faire un monde qui est un peu... un monde qui est beau, qui mérite de vivre. Ah, tu claques. Qui mérite de vivre. Tu claques de ouf. Allez, direction Garges. Voilà, c'est là. Ça a changé. Ah, c'est incroyable. Ça, je comprends plus. Ça, je connais plus. Je reconnais rien. Par exemple, c'est quoi ton rapport avec Banksy maintenant ?